Non, je vais y aller. Bon, ben, salut à tous. T'es en route vers Ottawa. Ça va faire un petit road trip slash game hunting. Je suis là avec Jean-François. Bonjour. Et Mathieu Labrie. On vient de passer devant Calypso, man. Ça a l'air qu'on vient de passer devant Calypso, ce qui est vraiment pas important. Calypso! Ça a l'air que c'est plus important que je pensais. Fait que. On arrive dans à peu près 30 minutes. D'ici là. Bon, on est encore à Ottawa. On a fait plusieurs places. À date, on a eu un peu de succès à une couple de places, mais sinon, il y a une couple de places terribles. La plus grosse dépense, c'était surprenant dans un micro-play. Indépendant. Le micro-play du centre-ville de Ottawa sur Bank Street. Ça a coûté plus de 200$. Toi, t'as le comic book pour VF la prochaine fois. Ils vont flipper du Magic. Ouais. Mais. Ouais, mais il n'y en avait pas de Magic dans le comic book store. Non, mais il y en a un autre là. Ah, ok. Mais. Fait que c'est ça, on a ramassé beaucoup de stock dans un micro-play. Surprenamment. C'est 5 pièces du jeu. Ouais, 5 pièces du jeu. C'est quoi la prochaine adresse? 480. Ça va être à votre droite, ça va être un pawn shop. On est encore loin. Fait que. Ah, aussi, on s'est fait crier dessus par une madame arabe. Pour une raison quelconque. Ça a l'air que. C'est désagréable, là. Ça a l'air que. Ça t'apprendra à vouloir dealer, là. C'est ça, si tu demandes un deal, ça se passe pas de même. Fait que. Plus de nouvelles tantôt. Fait que. On est allé à un magasin qui s'appelait Chum Late. C'est Chumlin. C'est même pas un restaurant chinois, c'était un magasin de jeux. On a quand même réussi à ramasser beaucoup de stock. On a ramassé quand même beaucoup de stock. Il faisait une coupe de deals, c'était des, surtout des. 2 pour 3. Et 1 pour 1. Puis des 2 pour 1. Aussi sur certains trucs comme le Game Boy. Fait que c'était cool. Fait que. On a fait. Probablement fait sa journée là. Puis là, ben, on essaie de pas trop rire de GF qui est perdu. Pas perdu. Ça va très bien, mais les indications à Ottawa, c'est un peu difficile. Pas que le 417. He's mad, bro. He's mad. Bon, on a fait pas mal notre dernier magasin. Il reste juste un micro-play à faire en chemin de retour. On est allé au Griffon Bleu. Le vendeur était bien smart. On a ramassé quand même beaucoup de stock. Chacun. L'abri a eu surtout du stock de PC. Puis nous autres, on a eu d'autres crap. Fait que. J'ai fait content. Oui, ben d'allure. J'ai eu mon cornet. Bon, ben, on vient de pas mal finir notre trip de ramassage de jeux d'Ottawa. On peut dire qu'on a fait rouler l'économie. On a fait l'économie, man. Tout pour pas avoir un déficit de 18,6 milliards. Ouais. Fait que on va tous vous montrer un peu qu'est-ce qu'on a eu. C'est sûr qu'on a ramassé du stock à flipper pour payer un peu pour toutes ces dépenses-là, mais on a aussi ramassé beaucoup de stock juste pour nous. Beaucoup. Fait qu'on va vous montrer un peu. Je pense que je suis le seul qui a ramassé des films, fait que je vais vous montrer ça vite. J'ai eu Apple Seed au PSP. He-Man and the Masters of the Universe, la deuxième saison. Steam Boy. Puis, Mechanized Gold, qui est un vieux film de cowboy. Putain, fait pour les cowboys. Ouais, depuis Brokeback Mountain. C'est émouvant comme ça. Allez, fiance. Ah, c'est tout? Ouais. Parfait, ok. Je vais faire mon PlayStation d'abord. Fait que PlayStation 1, pour faire ma collection de Nintendo. De Nintendo. Non, de jeux de hockey. Donc NHL 2001, 2000, 99, 97. Puis j'avais déjà le 98. Oups, c'est pas grave, c'est des jeux de hockey. Ils étaient gratuits quasiment. Puis ensuite au PlayStation 2, j'ai un petit lot aussi intéressant. J'ai trouvé le Rayman 2, donc ça je l'avais pas. 10 Gaia pour 12$, c'était parfait. Ensuite, Nightmare of quelque chose.
Donc, un autre jeu intéressant qui n'a pas coûté très cher. C'est dans un deal de 5 pour 30. Speed Racer, parce que j'ai trouvé dernièrement celui pour PlayStation 1. Ça, c'est le deuxième. One Piece, parce qu'il me fallait un jeu que j'avais pas dans le bundle. Et ça, c'est vraiment cool. C'est un petit peu que je cherchais. Ring of Red, qui est un tactical au PlayStation 2. J'ai hâte de jouer à ça. T'as rien d'autre de... Ça, c'est pour mon PlayStation, PlayStation 1, PlayStation 2. J'ai trouvé le dernier YS. Yef n'avait trouvé, là. Je pense que t'avais juste le jeu. Donc, ça, c'est le collector qui venait complet pour 50$. Comme je dis, j'avais les deux autres. Je trouvais ça plate de ne pas avoir tout au PSP. Donc, là, non, j'ai les trois pour moi, chaque lui, fait que... Ouais, c'est ça. Quand t'es le pas collector, c'est sûr que c'est pas la même affaire. Là, fait que... Mais la soundtrack de ce jeu-là est vraiment bien. Puis j'ai aimé les deux autres soundtracks. Donc, juste pour le CD de musique qui est à l'intérieur, qui est encore neuf, ça valait la peine selon moi. Le jeu est le fun aussi. Fait que... Mais c'est un excellent RPG à la console. Ouais, ouais. C'est ouais. Spécial comment ça joue, là, mais c'est le fun. Il y a juste moi qui les a pas encore. Un jour, on va les trouver pas trop cher. Yeah. De mon côté, deux jeux que j'ai gratuits. Cold Border 3, puis Blitz, puis j'ai donné le reste à Jean-François, oui, parce que je m'en fais pas mal. Sinon, dans PlayStation 2, j'ai aussi eu Tiger Woods PGA Tour, parce que ce jeu de golf-là, il est particulièrement plaisant. Sinon, Dai Senkuryaku Excel Modern Military Tactics 7, vous n'avez pas me côté sur le titre. J'allais au Xbox, puis c'est une exclusivité Xbox, là. Ton vie, ta version n'est pas supposée exister. Moi, c'est le 7 ou c'est le 6. Ah, c'est pour ça. Non, c'est le 7. Ah, non, non, non. Ben, la mienne, c'est pas une vraie. Hein. Tu t'es fait avoir. Hein. Non, c'est donc, juste... tu avais une erreur, c'est quand même intéressant. C'est dans son display, t'as 20$, puis je l'ai trouvé dans le rack à 5$. Sans problème. C'est ça. Slide 3. Sinon, Future Tactic. Pas très rare, mais je l'avais pas. On m'a trouvé Legacy of Kain of Defiance. Ça, c'est cool. J'ai hâte de jouer. Dead by Degree, j'ai aucune idée c'est quoi, j'ai l'impression qu'il a trouvé ça, il y avait une fille dessus. c'est convaincant. Ben je veux dire, un sort, puis ça a l'air c'est... un jeu de combat, hack and slash, pas trop compliqué. Quand t'as besoin de compléter un bundle, c'est un bon jeu à trouver. Ben c'est ça. Les Need for Speed, Manhunt, vous allez voir, Manhunt, ça revient souvent. Non, ah, on les a pas mis parce que c'est pas flippé. Puis un autre Need for Speed. En fait, c'est tous des jeux que j'ai pas, je sais pas si je vais les garder ou pas, on verra. Sinon, PSP. Pas grand chose, mais quand même content. Rengoku 2 de Stairway to Heaven, que Yef m'a dit que c'est quand même bien, et que j'ai bien hâte d'essayer. Je sais pas, je vais jouer, j'ai juste dit que ça valait cher. Ouais, je crois que ça saute. On peut que ça saute, même. Killzone, que je vais pouvoir utiliser avec mon pote PSP. Et Silent Origin, qui a pas de bouclette, mais encore une fois, je vais pouvoir jouer sans mon PSP. Parce que j'en ai pas encore. Ça sent bien. J'ai vendu de garage. Je pense que c'est moi qui ai le plus de PlayStation. C'est pas mal. Quasiment la totalité de mon stock. Toi, t'as beaucoup de PlayStation. Comment c'est? Parce que j'ai gratuit. J'ai eu MLB 99 et VR Baseball 97. Les jeux gratuits, c'était au Griffon Bleu à Gatineau. C'est une belle boutique. Le gars qui s'en occupe, il est super gentil. Puis à chaque fois que tu achètes pour 25$, il donne un jeu dans le bin de sport. Donc c'était super le fun de dépenser chez eux et d'avoir des jeux gratuits en échange. Puis il est bien sympathique. Tu sais, ses prix sont quand même raisonnables. Ouais, c'est les prix du marché c'est un ou un peu moins. Ouais, c'était très bon. J'ai eu Marvel vs. Capcom 2 complet. C'est beau. Hein. Guitar Hero 5, je pensais même pas qu'il existait sur le PS2. Un autre NHL de tour gratuit. Pas un autre, mais. Le Guitar Hero Warriors of Rock au PS3 que je voulais. Et, c'est bon. C'est bon. J'ai eu Neverland puis, Card Battle. Beaucoup trop de jeux au PSP. Fantasy Star Portable. Deadhead Fred. Une pièce. Bomberman. Metal Slug Anthology. Dungeon Explorer. Aedis Eclipse, Ragnarok Tactique et. Pour 10$. 4 Dragon Ball Evolution. Bonjour, Max! Ça, c'était, bientôt, ça, c'était la grosse prise de la journée. Bientôt, ça va donner rare, là, puis ça va avoir cher. Ouais. Et aussi, qu'est-ce que j'ai eu au PS1? J'ai eu un. Combat Pad. Un combat stick. Pas mal cool. Ah, un bon prix aussi, parce que je pense pas que t'allais payer full price pour non, ça. Non. Surtout qu'avec le shipping sur eBay, ça m'aurait coûté la palette.
Ouais. Ça vaut la peine quand on en trouve un qui est en bon état. C'était d'ailleurs au Griffon Bleu, tous les accessoires sont à 25$. Tu sais, peu importe le stick, là, que ce soit sur les stations ou d'autres, c'est tout le même prix. Ouais, oui, t'as tanné, puis vous voulez qu'on parte, un des deux. Ouais, je fais un des deux. Bonjour. Non, les autres étaient à 25, j'ai vu. Moi, au Xbox, parce que encore une fois, tout le monde s'en fout, faut que je vais continuer à acheter pour pas cher, là, donc pour en bas de 5$. Le jeu qui n'est pas exclusif au Xbox, même si c'est écrit exclusif dessus. C'est une copie rare, man. C'est une copie vraiment plus rare. Alter Echo aussi, c'est parce que ça brillait, là, je trouvais ça le fun. Nightcaster, qui a l'air d'être un jeu intéressant. Kingdom Under Fire, lui, je le cherchais pour vrai. Donc, ça, c'est un beau jeu tactical. Ensuite, Buffy, j'avais trouvé le deuxième, qui vaut un petit peu plus cher. J'avais pas le premier. J'ai les deux maintenant. Donc, c'est fait au Xbox. Ça avance tranquillement. Je prends les jeux que je veux sur ma liste. Bah, c'est tout. Sinon, je fais ma prochaine pile, c'est fini pour moi. Fais ton Nintendo, puis garde ton. Ok, bah, ben, Nintendo, j'en ai. Je commençais avec Donkey Kong Land 2, que j'avais pas. Elle est jaune, la cassette. Jaune pisse. Jaune Pokémon Yellow qui n'ont pas réussi à vendre, et qui l'ont genre filé pour ça. Probablement. J'ai Onimusha Tactics, c'est ça que je disais, hein, mais avec plus de difficulté. Content parce que j'étais prends un en moins de 14 heures et moins, puis t'as l'autre gratuit, fait que parfois il m'en revient à 5 heures chacun. C'est un bon deal. Bon prix. J'ai trouvé aussi. Yeah! Finalement, ma quest est finie. Le jeu qui est impossible. Mon SpongeBob du old game ou du old pack que je vais pouvoir mettre dans ma boîte que j'avais avec le livret qui n'avait pas le jeu. 5$, donc c'est correct parce que j'aurais pas payé plus cher pour ça. C'était pas mal le max. Ouais. Sinon, un Star Fox 3D avait d'ailleurs un jeu que je cherchais depuis très longtemps et qui vaut un prix complètement ridicule en ce moment, que je paierai jamais. Donc à 20$, je suis très content. Rhapsody Musical Adventure. Ça avait l'air drôle. Je l'ai trouvé avant moi. Ouais. C'est quand même pas donné, mais c'était un prix qui était correct. Puis ça dit en plus qu'on peut se battre contre du poison et des pancakes. Ouais, c'est des crêpes méchantes dans le jeu-là. Bon, on va voir ce que ça va donner. Tu veux faire. On fait ta pile après ça, j'en fais une, puis il va nous rester une pile chaque. Ok. Star Fox Adventure, il n'y a pas de livret, c'était 5$. Ouais. 5$. Star Fox Adventure. Ok, ça ne s'allait pas de même, c'est bon. Ok. Puis Brave Master, que j'ai aucune idée, ça va être la cool. Du prix. Il faut que tu, à 5$ quand ça brille, ça pochette. Faut que je le mette plus de côté. Comme ça, c'est avec la lumière, genre, ça paraît mieux. Ah ouais, c'est bon. Merci pour le tuyau. Sinon. Le tuyau. Sinon, beaucoup de Wii. Beaucoup de Wii, comme d'habitude. Des beaux Wii en plus. Là, je commence à être pas mal à. Il ne me reste plus grand chose à trouver dans ma liste, pour de vrai. Le Boom Blocks. Bash Party, qu'on n'est pas sûr si c'est un 2 ou c'est genre des trucs qu'ils ont rajouté. Dans tous les cas, très content. Un autre, Sin Punishment, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Puis c'est comme le genre de jeu que j'ai l'impression que commander votre bien pour trader. Rygar, que j'ai vu des reviews, puis ça a l'air que c'est bien. Jeff m'a dit Drawn to Life, peut-être j'aimerais ça. C'est une affaire de dessin, donc je la jette pour toi, Léa. Comme ça, tu peux pas dire que j'ai pas pensé à toi. Makering Meltdown Revolution Seal à 5$ parce que ça vaut pas plus que ça. Et le bon jeu que j'étais vraiment content, Metroid Prime Trilogy, la Steel Case pour celui en plastique pour près une fraction du prix que ça vaut. Je suis très content. C'est ma belle trouvaille de la journée. Moi j'ai mis du Sega. Je suis très beau Sega aussi. Je suis pas mal le seul qui ramasse du Game Gear. Fait que j'ai eu Axe Battler. C'est quoi? C'est A Legend of Golden Axe. Ce qui est quand même cool. Puis j'ai eu Dragon Crystal. Ensuite, j'ai eu Sword of Vermilion au Genesis. J'ai eu Street Smart, A Beat 'em Up au Genesis. Avec vraiment plein de stickers dessus. C'est un peu gay. Ça, c'est la trouvaille. Jeff m'a un peu obligé d'acheter. Pour 5$ c'est, complet. C'est Crystal Ponytail. Il est complet dans sa boîte. Un platformer. C'est sûr.
Tu joues un cheval. Yevgeny va bientôt faire le review de son premier jeu sur la chaîne. Il va parler de Ponytail sur le Sega Genesis. C'est Crystal's Ponytail. Tu peux changer la couleur de ton pony. Ça va être fou, vraiment. Tu sais que c'est bon. Ça va être tellement fait. C'est clair. Ensuite, dans un punch-up pour pas très cher, un jeu complet au Game Boy Advance, le Yu Yu Hakusho Tactique, je sais pas combien. Tactique, c'est le fun, j'aime ça. Donc, de 15$ à la peine. Une suite, ou du moins quelque chose en lien avec Professor Layton, là, ça ressemble pas mal à ça, donc je trouvais ça curieux un peu. C'est un, je sais pas, Dr. Lautrec, je vais regarder quand je vais finir ma série Layton. La dernière fois, l'abri l'avait trouvé là, dans un micro-play, là, mais si vous le trouvez encore, ça vaut la peine de pour ce prix-là, 35$ 9, là, l'édition avec le soundtrack dedans, donc Lord of Magna sur le 3DS. Les épichards en ce moment sur Amazon. Oui, oui, pour vrai. Mais je pense que c'est un faux ça non, ça va. Ensuite... T'as pas demandé si ça allait. Non, mais c'est un vrai seal. C'est le même qu'il faut. Wayne Gretzky, hockey au Nintendo, pour vous donner le punch de le prochain épisode de hockey. Peut-être pas la prochaine, mais bientôt. Naruto, qu'il fallait que je me fasse un bundle. Quand t'as pogné un jeu, je vais pogner lui. Bomberman Jester, que j'ai pas eu à 10, là, j'ai payé plus, mais il était 9, puis il était vraiment dans un bon état. Lui, il était pas dans un vrai seal. Puis Deadly Creature pour 10$, parce qu'il prend de la valeur sur lui actuellement, ça a l'air. Mais aussi parce que ça faisait longtemps que je voulais jouer une araignée qui se battait contre une tarentule, et j'ai pas trouvé d'autres jeux qui me permettaient de faire ça. Donc ça va être fait. Oui, il a pas mal arrêté de prendre la valeur, mais il s'est pas pris à 25 canadiens. C'est déjà plus que qu'est-ce qu'il valait. Je vais passer avant, comme ça, regarder les meilleurs. Ah, ouais, man, les grosses box s'en viennent. Là, j'ai eu un peu de Nintendo, sauf que comme je fais pas de Wii, puis je fais pas beaucoup la plupart des consoles de Nintendo, ben, j'ai surtout du NL. Fait que j'ai eu Excitebike au Game Boy Advance, Wario Land 2, Dragon Warrior 1 et 2, Bomberman, Spider-Man 3, Kirby's Dream Land, Contra The Alien War et Opération C. Ce qui fait encore beaucoup de bons jeux avec des gros titres de là, c'est le fun. Yeah! Yeah! Donc, c'est juste moi qui reste, ça? Ouais. Là, je peux vous montrer trois booklets. Vous allez me dire pourquoi ils montrent ça. On s'en fout. C'est des in-books ou des clue-books de jeux de PC, des vieux jeux de PC de Strategic Simulator Incorporated. Qui était une compagnie de jeux quand même assez populaire, je pense, qui ont fait Fate, par exemple. En tout cas, ils ont fait vraiment beaucoup de bons jeux. Et donc, au Griffon, enfin, moi, j'ai juste acheté des jeux d'ordi. Surprenamment. Vraiment surprenant. Que tu joues pourras pas jouer. Que je jouerai jamais. Mais bon, c'est du Donjon Dragon. Et donc, je suis un soca. Et puis, après avoir aussi regardé la valeur, je me dis, à un moment donné, je me tanne, mais tu sais, je ne perdrai pas d'argent, c'est aussi ça le principe. Donc, Shadow Sorcerer, an Animate Fantasy Adventure. Oh oh! Puis là, il faut le mettre de côté. Ils sont tous scellés aussi. Ils sont tous scellés, fait qu'ils sont neufs en plus. Ils sont beaux. Ils sont beaux quand même. Advent Dungeon and Dragon, Treasure of the Savage Frontier. Encore Advent Dungeon and Dragon, The Knights of Grimm, c'est un Dragonlance. Pour ceux qui connaissent la série. Non, c'était un peu de nostalgie aussi. Un King Quest 1 en boîte scellée. King Quest 1. King Quest, c'est fou, là. Ouais, quand même. C'est vraiment vieux. C'est vraiment cool. Parce que c'est fait l'année, exactement. Puis, 90. The Big Box. Un Age of Conan Eborian Adventures. C'est le jeu, le MMO. C'est le collector. Je sais pas s'il y a tout. Mais bon, le gars me l'a fait pour 20$. Quand même très heureux parce que je suis un grand fan de Conan. C'est Conan. Puis il y a même. Même Conan le barbare. Il y a même une carte en pot. Wow! Puis plein de goodies dedans. Fait que quand même juste cool. La soundtrack aussi. Il y a une soundtrack, un bonus 10. C'est que ça coûte 20$, mais là tu as genre tout un bonus. Puis le artbook est quand même assez gros, là. Il est quand même assez thick. Fait que tu sais, content, là. Ça va être beau. Là. Ouais, c'est quand même beaucoup de beaux pick-up aujourd'hui. On a eu tous au moins quelque chose qu'on voulait. Ça, c'est là. Fait que, ouais.
À part les quelques expériences weird qu'on a eues dans certains punch shops. Ouais, parce qu'il y a là, genre 19 punch shops à Ottawa puis Gatineau, même plus, là. C'est juste ceux qu'on a vus sur Internet, là. On a trouvé d'autres sur la route, là. Donc, puis les punch shops, ça vole pas toujours haut, des fois, là-dedans. Là, tu sais, quand il faut que t'aies cherché le propriétaire dans un restaurant du coin. Ouais. Oh, je t'ai fermé, j'étais en train de manger l'autre bar. Ou j'essaie de négocier avec la madame, puis elle commence à m'engueuler. Il est 25, tu le ferais-tu à 15? Comme, ok, c'est beau, laisse faire. Tu sais, quand tu t'agis de même, c'est sûr que les gens n'ont pas le goût de revenir ou d'acheter dans ton magasin. Je vais acheter si je peux vraiment te. Quand tu fais pas ça, parce que. Genre, t'étais pas capable d'être poli, là. Ouais. Ben, au moins, on n'habite pas là. Fait que, ouais, les boutiques spécialisées qu'on a vues étaient bien, là. Ouais, surprenamment. On a, ben, on a fait quoi? On a fait deux boutiques spécialisées. Ouais, l'un qui font bleu. L'un qui font bleu, puis l'autre, on n'est pas capable de dire son nom, là. Ah, ouais. On a avancé beaucoup de jeux dans les deux boutiques spécialisées, puis. Les microplays. Les microplays aussi, surprenamment, il y en a un en particulier qu'on a déjà. Ah oui, sur les microplays, c'est dans le centre-ville. Ouais, faut dire aussi que les sont indépendants. Hein. Ouais. Puis leur promotion, 4 jeux à 10$ pour 5$ chacun. C'est, ça, c'est pas comme, c'est comme au Québec où que tout fonctionne de la même manière, le microplay. C'est vraiment juste une bannière, puis il n'y a pas Super Club Diotron, c'est juste microplay. Ouais, c'est quelque chose qu'on a appris à la dure. Ouais. On cherchait la grosse bannière jaune de Vidéotron, puis ça a l'air que c'est pas de l'angle que ça marche. C'est juste une petite pancarte rouge écrit microplay. C'était comme ok. Fait que c'était un petit peu plus dur à trouver au début. Mais bon, ils sont pas tout incroyables, hein? Ah non, les ben, y en a un qui était fermé, puis il était en train de fermer, puis l'autre, il était vraiment assez ordinaire. Mais celui du centre-ville, vraiment, ça coche. Le gars était là aussi, il était super sympa. Ouais, mais le premier qu'on a hit, le dos des. Tous ces trucs étaient vraiment trop chers. Ouais, c'était ridicule. Ouais. Fait on n'a pas rien. J'étais comme où, Lunard? 200$. Ouais, c'est ça. Non, il était 300$. Là, ah, c'était les deux bizarres étaient 300$. Pour de vrai, ouais. j'en ai vu d'autres à 200. Je pense qu'il était pas complet. Les deux étaient genre, il était peut-être complet, mais il était pas scellé. Puis les deux étaient 300$. Il manque le Lunar 2 à 300$ parce que c'est comme plus que tout le prix. Là, mode ouais, relax. Parce que tu payes taxes en plus. Là, que, ouais, non, laisse faire. Mais c'est seulement 13%. C'est seulement 13% de taxes, mais c'est trop. Donc, c'est ça. C'est une belle aventure. Yeah. Fait que la prochaine fois, je sais pas trop où c'est qu'on va aller. Parce que là, on commence à être à court de trucs pas loin. Ouais. Mais il fallait que notre argent remonte un peu parce que ça dégueule mal. Là. Ouais. Mais sinon. Puis en même temps, aller aux États, à moins que tu aies des places, c'est pas là que tu vas faire des ventes de garage. À cette température-là. Ben, pas là, mais, non, mais l'été peut-être. Là. L'été, ouais. Oh, on vérifiera. Ça pour dire, on va en aller avec d'autres vidéos. Toujours. Entre autres, de. Pony Tails, Crystal, je sais pas quoi, là, qu'on peut genre changer la couleur du pony. Ah, j'ai hâte de voir ça. Ça le dit, il y en a de la boîte. Ouais, j'ai vu. C'est moi qui t'avais trouvé et qui t'avais donné. T'as trois couleurs, c'est fou. Trois choses à colorer. Fait que, comme d'habitude, suivez-nous sur Facebook et sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir écouté nos super péripéties. Salut. Au revoir. Prochaine.